Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle soirée du Winter of Moon aux frontières de la science. Au début de l'ère pop, les Russes ont lancé quand même le plus sexy sur le plan phonétique des satellites qui s'appelait le Spoutnik. Et ça, ça a déclenché un imaginaire totalement débridé par rapport à la science-fiction. Et en fait, sont nés un tas de groupes, de films, presque proches du cartoon, liés à une sorte de fantasme de comics, liés à la science-fiction, liés à la conquête de l'espace, avec des personnages, avec des couleurs, avec des costumes, de manière complètement pop, au fond, et qui marque vraiment une époque. Cette époque de l'innocence qu'on avait vis-à-vis du progrès, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis du futur. Et c'est ce qu'on va retrouver dans Génération Spoutnik. Le Winter of Moon continue son voyage spatio-temporel. Génération Spoutnik, c'est tout de suite sur Arte.